j'ai eu des frissons, hein. J'ai eu des frissons, il faut le dire, parce que le pape François, c'est le chef de l'Église catholique qui représente 1,3 milliard de fidèles. Et non seulement ça, c'est une autorité morale pour le monde entier. C'est un leader respecté et respectable. Et il est tout à fait pertinent qu'il porte le nom d'un saint du 12e, 13e siècle qui, à travers l'amour, a voulu libérer l'homme. Et François lui-même, le nom François veut dire homme libre. Et tout ce que je peux espérer, c'est que le pape François ramène avec lui, dans ses souliers, dans ses bénédictions, tout cet amour qui nous libère vraiment, qui nous libère de tous nos maux, qui nous libère de notre ego, qui nous libère de nos fléaux, il faut le dire. Hein. Et moi j'attends beaucoup de cette visite et je suis sûr que toute l'île Maurice aussi attend surtout le message du pape François, le message de ce pape qui porte le nom de la liberté de l'amour. Alors on est dans la...